Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme en ce vendredi 13 mai 2022. Si. J'espère que vous êtes en forme et que vous allez vraiment très très bien. Si. Et que ça va vous porter bonheur. Bah si. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire une double page pour mon herbier, notre herbier, votre herbier, leur herbier. Si. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va scraper comme ça un petit peu. Ben, si. Alors, ah si. Alors, j'ai reçu beaucoup beaucoup de tags hein, pour l'herbier. On m'avait fait plein de jolis tags et tout magnifique et tout. Et puis je me suis dit, ben, tiens, on va faire une page pour les ranger, tout simplement. Mais vraiment, on va pas trop se fouler le tronc encore aujourd'hui. Non. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je vais me servir d'enveloppes, alors des enveloppes spéciales, mais évidemment, vous pourrez prendre les enveloppes que vous voulez, la taille que vous voulez. C'est juste pour faire une pochette pour ranger des tags. Hein? On fait ça. Si. Bah, si. Suis très en forme aujourd'hui. Alors, donc, pour ce faire, je vous penche, hein? Attention, hop là, ne tombez pas. Alors, on en était, comme je ne fais strictement rien sans vous, j'ai juste, comment dire, on s'était arrêté à, vous savez, à la pose de stickers. Si, on avait posé des stickers et on avait fait envoler une pensée qui s'était envolée. Je ne sais plus où elle est là, du coup, je ne sais pas. Je l'ai peut-être remise dans des petits sopins là. Moi, je vais la retrouver, de toute façon, rien n'est jamais perdu, hein. Non, non. Et donc voilà, donc du coup, on en était là, on était à là, si, on était à là. Et donc là, sur cette page-là, on m'a fait une jolie pochette comme ça. Eh bien, je vais m'en servir. Hop, regardez, ça y est, pouf, ça me fait une double page. C'est fait. Je crois que c'est Marielle qui m'a envoyé des choses là-dedans. Et puis, avec, il y avait aussi cette double page comme ça, un petit carnet. Enfin, voilà, elle avait mis des mots dedans et tout ça, je crois. Et eh bien voilà, ça me fait encore une double page. Voilà. Là, évidemment, je vais m'amuser. Pour l'instant, on ne fait que les doubles pages. Et après, on passera à la décoration et tout ça. C'est beaucoup, beaucoup de travail, je le répète. Et je fais de temps en temps. Hein. En plus que mon album, il faut que je le recolle. C'est parce qu'il se passe, il se décolle là. Ce n'est pas grave, hein, c'est que du papier, ça se recolle facilement. Et puis, moi, souvent, je fais de la couture, si. Alors, pour ce faire, je vais ranger ces tags. Alors, je me suis dit, bon, ce qu'il fallait que je... Parce que vous m'en avez fait plein, magnifique, magnifique, magnifique. Évidemment, ils auront tous leur place, évidemment. Hein. Et puis là, je me suis dit, tiens, je vais ranger tous ceux qui sont transparents, là. Si. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ils sont sublimes. Et puis celui-là n'est pas transparent, mais il est rose. Si. Voilà. Il est très joli, magnifique. Pourquoi j'ai choisi dans les tons mauves, là, tous les tons mauve et blanc, parce que mon herbier est mauve et blanc de toute façon. C'est parce qu'en fait, je vais utiliser des petites enveloppes comme ceci. Vous savez, les petites enveloppes. Ah si, on a droit. Parce qu'on va le faire. Alors, je vais utiliser ces deux petites enveloppes-là. Si vous ne les avez pas, si vous n'êtes pas comme moi, si elle a un mauvais élément, eh ben, vous prenez deux autres enveloppes. Ça n'a pas d'importance. Peu importe, peu importe. Et puis on m'a donné des jolies bases comme ceci, magnifiques, on m'a offert. Donc ben, je vais me servir de... J'adore ces découpes-là de dentelle. Donc j'avais vu que j'avais des bases vertes là, mais je vais utiliser celle-ci qui est embossée à froid en haut et en bas. Alors, comme d'habitude, vous prenez le papier que vous voulez, le papier que vous voulez, les enveloppes que vous voulez, le principe est le même. C'est vraiment pas difficile. On va pas se fouler le tronc, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que pourquoi? Parce que en fait, je vais l'intégrer comme ça, moi. Ce que je vais faire là aujourd'hui, je vais le coller sur, enfin le coller. Non, pas le coller. Non, 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 pas le coller. Je vais l'intégrer comme ceci sur ma page. Voilà, comme ça. Hein, et ça me fera une pochette de tags. Vous allez, voilà ce qu'on va faire. Si, aujourd'hui, on fait ça, puis c'est tout. Alors, non, on fait pas que ça. On va faire ça, puis autre chose, et puis un tag. Alors, ouais, je me foule pas. Alors donc je prends ma base là qui est blanche parce qu'elle est verte à pois de l'autre côté, elle est jolie. Donc je vais laisser ce côté-là et je vais prendre le côté blanc. Et dessus je vais y coller mes images. N'importe quoi.
Je vais y coller mes enveloppes. Alors, pour ce faire, je regarde juste quelque chose parce que je veux garder les embossages, je veux tout garder. Donc, mes petites enveloppes, je vais les mettre comme ceci. Et en fait, je vais les mettre l'une sur l'autre. Voilà, comme ceci. Alors, si vous, je répète, si vous n'avez pas de petites enveloppes comme ça, je vais vous montrer. Franchement, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle enveloppe et n'importe quel papier. Je répète. Admettons, tiens, je vais prendre deux enveloppes là, n'importe quoi, on s'en fiche. Admettons, on a deux enveloppes comme ça. Tiens, allez hop, je vais prendre exprès pour que ça flash là. Les enveloppes qu'on trouve chez Action, vous savez, les lots de 10, de 20, de tout ça là, sont toutes, c'est des formats 10, 15 là. Alors vous prenez vos deux enveloppes, vous prenez une base de papier, admettons, ça c'est votre base de papier, pouf, hein, vous la taillez à la taille de l'enveloppe. Hein, c'est-à-dire 15, et vous posez vos grandes enveloppes dessus comme ça, et ça fait exactement pareil, et vous pouvez les accumuler comme ça autant que vous voulez. Peut-être je vous montrerai, ouais, on verra. Je vous montrerai à la fin ce qu'on peut faire, parce que on peut faire des suspensions comme ça pour faire mettre dans votre cuisine ou dans votre entrée pour mettre votre courrier, hein. Merci. Alors donc vous avez compris, vous prenez des enveloppes que vous voulez. Je vous montrerai peut-être après si j'y pense. Il faut que j'y pense. Des fois, j'oublie de vous montrer des choses magnifiques. Alors, donc, pour ce faire, je vais commencer par le haut. On va aller en descendant, un peu comme quand on fait des albums cascades. Et là, je vais pas me. Le truc là, je vais le rentrer à l'intérieur, tout simplement. C'est tout. Vous avez vu, c'est vachement dur. Hein. Et je vais mettre. Et je vais cacher ça. Je vais cacher, mais je le garde en souvenir. Et je vais coller. Je vais mettre de la colle en U, comme ça, tout simplement. D'accord? Alors, on va de la colle, hop, la colle machin, n'importe quoi comme colle, de la colle quoi. Hein. Et donc, pour ce faire, je vais mettre de la colle en U sur mon enveloppe. Elle est très vintage, hein, je vous prends, elle est très, très vintage, mais bon. Voilà, c'est un souvenir. Si. Donc, hop, je fais ça, vous avez vu, on fait rien de sorcier. Et là, je colle sur ma base, là où j'ai décidé, parce que je veux... Je répète qu'on voit mon... C'était la dimension pile poil. Hein. Je n'allais pas me fatiguer. Hein. Bah non. On m'envoie des trucs tout près. J'ai rien à faire. Alors, quoi, je vais pas me fatiguer. Hein. Vous avez compris. Voilà. Donc voilà. Vous avez fait ça. Vous êtes content. Et vous faites pareil avec l'autre. Enfin, moi, je rentre. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais là. Rentrer le truc à l'intérieur. Vous faites bien comme vous voulez. Moi, je le rentre. C'est pour une raison très, très... Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi je le rentre. Moi, c'est parce qu'en fait, je vais faire de la couture. Alors, ça veut dire que si je laissais comme ça, là, si je laissais là dessus, et là, je vais coudre tout autour, hein, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que là, ça va coudre, et que quand je vais vouloir ouvrir, eh bien, ça va, tout me déchirer, on est d'accord? Alors que là, ok, je pourrais pas le fermer, mais je m'en fous, c'est pas le but, donc je le mets à l'intérieur, j'ai pas envie de le retirer, j'ai pas envie de le découper, j'ai envie de le laisser, hein. Parce que des fois, vos enveloppes à l'intérieur, elles sont blanches, par exemple. Voilà. Enfin, voilà, c'est un bon exemple. Vous voyez, si vous laissez comme, si vous mettez votre enveloppe comme ça, avec le couvercle comme ça, ce qui est possible, attention, hein, c'est vous, chacun ses goûts. Hein. Eh bien, déjà, on ne fait pas de couture sur les côtés. Et puis, comment dirais-je, quand vous ouvrez, ben, on voit le blanc à l'intérieur. Alors que si je fais ça, je pose mon enveloppe, et bien là, c'est décoré à l'intérieur. Là, ici, je peux mettre quelque chose. Là, je peux mettre quelque chose. Et là, je peux coudre. Vous avez compris? Si vous avez compris, je suis sûre que vous avez compris ce que je veux dire. Si vous n'avez pas compris, c'est tout à fait normal, car je ne m'exprime pas bien comme il faut. Alors, c'est ça. Donc là, je mets à l'intérieur. Hein, voilà, et je vais coller. Alors, c'est moi qui décide où je le mets. Hein. Je pourrais le mettre là. Je pourrais la mettre là. Je la mets où je veux. Mais là, j'en ai que deux. Comme j'en ai que deux, ben, je fais avec. Hein. Maintenant, j'en ai que deux. Ah! Attendez. On m'en avait pas envoyé une? Dites donc. Ah ben non. C'est celle-là. Ah bon? Là, c'est bizarre. D'un seul coup, j'avais une illumination là. Ah, j'ai dû la laisser dans le... J'ai pas encore rangé. Oh là là. Ah, dommage. Bon, enfin, bref. Ouais, bah tant pis, je ferai autre chose avec. Ah, ouais. Je crois que quelqu'un m'en a envoyé une autre et j'aurais pu en mettre trois, là.
Bon, bah tant pis, je sais pas où elle est. Bon, bah tant pis. Bon, admettons. Bon, admettons, j'en aurais eu trois. Bah, j'en ai trois, je crois, mais bon, je sais, j'ai un doute. Moi, je pars chercher maintenant. On est foutu. On est foutu. Hein, je trouve... Ouais, c'est ça. Donc, c'est mort. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, là, j'en mets que deux. Et donc, bah voilà, j'en ai que deux. Et je veux que l'embossage y soit ras comme ça, que ce soit joli. Pouf, pouf. Donc, je vais la mettre là. Et là, je vais mettre pareil de la colle en U. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Et le tuto, il est fini. Donc, pour ce faire. Voilà, hop, je mets ça comme ceci. Voilà, hop. Et donc. Et donc voilà. C'est tout. C'est tout. Le tuto est terminé. Moi bon, si ça va bien pour aujourd'hui. Alors, pour faire. Vous voyez, et donc du coup là, qu'est-ce que je peux faire? Bon, là, je vais aller faire une couture. Vous allez m'écouter, hein? Mais si vous allez m'écouter coudre. Ben, là, je range mes tags. Alors, j'en range un. Là, j'en range deux. Joli petit nœud. C'était tout mignon, tout mignon, mignon. Ici. J'en range deux. Hop. J'en range trois. Alors oui, parce que attends, je vous montre cette magnifique pochette. Là, hop, derrière, pouf. Là, ça trois. Là, j'en mets trois. Et je peux encore en mettre un quatrième. Il est où mon petit quatrième? Je perds tout. Non, mais je perds tout. Je perds tout. J'en avais un quatrième, j'en suis sûre. On me l'a volé. Ça. On me le vole, on me le vole. Hein. C'est pas ça. Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas. Admettons celui-là. Il est très beau, c'est celui-là. Je l'adore. Mais ça, je voudrais faire un thème vintage. Très vintage, alors. Mais admettons. Voilà, admettons. Voilà, hein, d'accord, vous avez compris, ça fait un distributeur de tags. Si ça fait ça, c'est tout. Voilà, hop. Voilà. Donc voilà, on est content. Je vais faire ça, moi. Je suis droit, c'est mon droit. Alors je vais mettre le grand là. Je réfléchis. Ça fait mon droit. Là, je vais mettre celui-là là. Hop, hop. Là, je vais mettre celui-là là. Sont jolies les orchidées, elles sont jolies, hein. Magnifique, magnifique. Hein. On a du lilas, on a des orchidées, on a plein de choses, c'est magnifique. Hop. Je les mets en travers, ça fait plus joli évidemment. Hein, parce que, bon là, parce que je fais un peu ça. Vous voyez, regardez, c'est joli. Mais si c'était très joli, c'est magnifique, magnifique. Alors là, je vais vous laisser. Ah ben, je vais vous laisser, je laisse en route. Hein. Je vais faire une jolie couture tout autour comme ça, hein, pour faire une petite finition. J'adore, c'est très beau. Donc là, je vais faire ma petite couture. Et suivant la hauteur, hein, je regarde juste quelque chose. Parce que peut-être que je vais pouvoir enfin le mettre celui-là. Non, parce que je vais le mettre. Je l'adore celui-ci. Je les aime tous, je les aime tous. Ah là là, ça va faire. Non, mais c'est bizarre, je voulais mettre tous les transparents. Il me semblait que j'en avais un autre transparent, transparent. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, bon, bref, vous avez compris, je vais faire une petite couture tout autour, toute mignonne. Alors, pour ce faire. Vous voyez, c'est facile de faire un porte de machin de tag. Hein. Voilà. Hop, allez, donc pour ce faire. Oui, je sais. Mais c'est tout mignon. Si.
Voilà, donc j'ai mon. Là, je vais perforer. Je vais perforer aussi pour que ça fasse un tag porte-tag. J'ai tout à fait le droit. Je fais qu'est-ce que je veux. Donc voilà, ça fait ça. Vous voyez ce que je vous disais, si j'avais laissé les trucs par-dessus, eh bien, vous avez compris quoi. Si vous avez compris que ça serait embêtant, si c'est tout. Non, une, deux. Un dans l'enveloppe, un derrière l'enveloppe. Hein, d'accord. Je vais mettre celui-là, hein, parce qu'il n'est pas transparent, celui-là. On le mettra ailleurs. Bah, si on le mettra ailleurs, c'est tout. Et puis là. Hein, voilà, c'est très joli, c'est beau. C'est beau, voilà. Vous voyez? Hop, hop, et hop, pour se faire. Hein, voilà, c'est très joli. Si vous dites c'est joli, ça me fait plaisir. Et puis voilà, et puis là, il n'y aura plus qu'à décorer, et puis c'est tout. Ah, vous voyez, derrière, ça fait ça, la couture. J'adore, moi, faire des coutures avec le papier. Alors, voilà, et celui-là, donc, on va l'intégrer. Quelle page? Je ne sais pas. Ben, justement, comme j'avais ma double page, alors, si vous voulez faire, je vais le mettre sur ma double page, là. Ou alors, je le mets... Je vais le mettre comme ceci. Ouais, je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. Comme ça, on fera une double page autre chose. En fait, je voulais faire comme un petit album, mais un album en U. On le fera la prochaine. Je vais le fixer là. Ce sera joli. Si, ce sera super joli. Et je vais le mettre en double face. Voilà. Je vais le mettre à l'intérieur. Non, à l'intérieur, on peut mettre des choses. Vous voyez? Bah, par exemple, bah voilà, ça y est, j'ai trouvé. Ah là là. Ça y est, je vais pouvoir ranger mes jolies choses là. Je vais mettre celle-ci, elle est magnifique, mais transparente. Et mon transparent, là. Voilà. Ah ben, ça y est, je suis très contente, j'ai réussi. Si. Vous voyez, ça va être très joli. Donc, je mets ça comme ceci. Et là, ce sera les pages. Alors, ça, vous le faites. Hein. Vous prenez une page, vous la pliez en deux. Vous faites une pochette là. Puis, ça y est. Là, ça faisait combien la dimension? On me l'a fait, ça. Ça fait 27. 27 sur 21, hein, 27 sur 21, pouf, vous pliez en deux, vous faites deux petits rabats comme ça, vous savez faire ça maintenant, hein, hop, et puis on met ça là dedans, comme ça, et puis là, je vais y mettre celui-ci, alors je ne sais pas si je le mets là ou si je le mets là, comme ça, ça... oh, je vais le mettre là, ça fait trop beau, vous voyez, ouais, je vais faire ça, c'est très très joli, alors je vais mettre du double face 3D pour le fixer, et je vais mettre que sur les côtés là, pour pouvoir cacher quelque chose derrière si ça me prend. Ça peut très bien me prendre. Si ça peut très bien me prendre, on ne sait jamais. Je préfère ne pas, vous avez compris, boucher le haut. Et là, je colle ce que je ne fais pas d'habitude, mais là, je le fais. Pourquoi? Parce que c'est très mignon ce qu'on a fait. Si, c'est très mignon. Très mignon, c'est très mignon. Après, je peux peut-être le mettre de ce côté-là. Hein. J'aime. Hein? Si, je peux peut-être le mettre là. Ah ouais. Parce que j'aime bien cette page-là. Mais celle-là aussi, je l'aime bien, mais je préfère celle-là. C'est possible que je mette là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, je vais juste mettre du double face comme ça, comme ça. Hop. Voilà. Hop. J'ai appelé le médecin pour Joy, là, parce que j'ai toujours pas ses résultats du plasma et tout ça. Et la secrétaire, elle me dit, je lui dis, ça fait 12 jours, on m'avait dit 10 jours maximum pour les résultats. Alors, elle me dit, oh, bah, ça peut arriver, hein, ça dépend quand est-ce que vous l'avez posté, tout ça, avec le week-end. J'ai dit, non, justement, j'ai attendu lundi pour vous l'envoyer. Alors, c'était lundi dernier, hein, donc on est quand même, on est vendredi, donc ça fait, vous voyez ce que je veux dire, hein, ça fait 15 jours, quoi, de lundi dernier jusqu'à aujourd'hui, hein, lundi prochain, ça fera 15 jours. Hein. Alors, elle me dit, bah oui, mais de toute façon, le docteur, il est en vacances jusqu'au 19 mai. Je dis, ah ouais, d'accord, ok, ouais, c'est bien, hein. Et alors? Elle dit, bah, il regarde, hein, ses mails, hein, quand il est en vacances, bah, je dis, ouais, c'est bien. Regarde ses mails, mais nous on attend les réponses, on a raqué quand même. Enfin bref. Qu'est-ce que ça peut m'énerver? Qu'est-ce que ça peut m'énerver? Je vous assure, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'en ai marre de ces gens qui. Alors donc. Ah non, j'ai dit que je le mettais là. Non, je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas. Non, je vais le mettre là parce que j'ai dit que c'était transparent ici. C'est transparent ici, Angélique. Commence pas. C'est ça. Donc, je colle. Hop, allez, hop, c'est décidé. Hein. Oula, c'est rare que je colle. Hein. Oula, si. Allez, c'est parti, je l'ai collé. Ça y est, c'est fait. C'était tout mignon.
Et vous voyez, alors donc du coup là je peux encore en mettre un. Bah si, j'ai le droit, regardez. Ah, je le fais. Bah si, je le fais. Je le fais. Mais je vais peut-être mettre le transparent là. Bah, le pauvre. Non mais t'inquiète pas, tu auras ta place. Tout le monde aura sa place. Celui-là, il est magnifique aussi. Hein. Ça fait longtemps que je l'ai celui-ci. Qui me l'a fait? Avec le petit trèfle, le bel embellissement trèfle. Magnifique, magnifique, j'adore. Et puis il ira très bien avec la couture blanche et tout. Allez hop, tout le monde est casé. Si tout le monde est casé, on est content. Je mets là, je ne sais pas, je ne sais pas, je réfléchis. J'ai le droit quand même. Alors, c'est ça. Voilà, hop, hop. Oh, c'est beau, mais c'est beau, mais c'est beau. Si, c'est beau. Et lui, bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tiens, tiens. Un petit chat. Tiens, tiens, tiens. Je mets ici, ici. Hop, ici, ici. Ensuite, ici. Non, enfin, non, je réfléchis, j'ai le droit. C'est ça. Tiens, tiens, mon amour. Tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce qu'il vient faire là, mon petit cœur? Hein? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Hop, hop, et hop. Voilà. Et voilà. Ah, voilà. Si, c'était tout joli. C'était tout mignon. Ben, si. Ben, c'était le four. Tag. Ben, si. Hop, ça y est, ils sont tous en jaune et contents. Si, on est très contents. Et voilà. Donc, ça, c'était fait. J'adore. Si, c'est, j'adore. J'adore. J'ai droit quand même. Vous voyez? Hop. Des petites. Alors, évidemment, là, je vais décorer. Hein. Bien sûr, on décorera. On décorera. On fera ça à la fin. On a dit. Restant, on fait les pochettes. Attention de ne pas te brûler, mon bébé d'amour. La plastifieuse, j'en ai pas besoin. Je l'avais mis en chauffe, bien sûr, j'en ai pas besoin. Bien évidemment, hein, c'est normal. Alors, oui, ce que je voulais faire. Donc, on m'a fait ce magnifique tag, là. Magnifique, magnifique. Hein. Voilà. Et donc, je disais, on m'a envoyé des jolies petites fleurs comme ceci. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai mis ces petites fleurs dans un petit sachet plastique tout à fait ordinaire. Et regardez, je vais... Alors, si vous n'avez pas... De petits, bah, c'est des petits sachets plastiques, on en trouve chez Action pour mettre les cartes, pour mettre les vendre les cartes, je vous offert, on sait rien, enfin bref, et donc voilà, ou alors vous mettez un sac, je sais pas moi, congélation, je sais rien, je ne sais pas, et donc là je vais y mettre, j'avais aussi des magnifiques marguerites, alors attendez, hein, je les trouve, j'en ai fait, je ne sais pas, qu'est-ce que j'en ai fait, là, Ah oui, j'ai celle-là aussi. Ah, j'ai celle-là aussi. Ah non, mais celle-là aussi, il faut que je les mette. Ah oui, mais non, là, je voulais mettre un petit charme et tout ça. Je vais y passer un... Non, parce que elle, je veux les mettre avec les pâquerettes. Ah, vous savez, la page des pâquerettes. Ah ben non, je ne sais pas si vous voyez, on voit rien. Je vais la mettre avec la page des pâquerettes, là. La triple page, là. Je vais la mettre là pour y penser. Ben, pour y penser, j'y pense, mais... Tac, tac, ok. Donc, j'ai dit ça. Et j'avais des pâquerettes. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je vais la retrouver. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais pas. Ah, si, les voilà. Elles sont là. Ça fait longtemps que je les ai, celles-ci aussi. Oh, ça fait longtemps qu'on les a envoyées. Ça fait longtemps. Je promets que c'était tout au début. Peut-être même les premiers envois. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mélanger avec ces... Je les adore, elles sont sublimes. Regardez-moi ça, comme elles sont trop belles. Vous voyez? Donc, je vais les mettre dans le sachet plastique. Pourquoi? Ben parce qu'elles ne risquent rien. Ça ne va pas les abîmer. Elles ne vont pas s'abîmer. Elles vont rester comme ceci, intactes. Voilà, je suis trop contente. Parce que j'ai trouvé leur place. Parce qu'on trouve toujours la place de tout un jour. Et c'était aujourd'hui. Si. Et ça rend super bien sur ce tag. Je trouve que ça rend trop bien. Donc, vous voyez, pas besoin de plastifieuse, pas besoin de tout ça. Oh, j'adore, elles sont magnifiques. Hop, et hop. Et je trouve qu'elles vont bien ensemble, ces quatre petites fleurs. Vous voyez? Voilà. Alors, attendez, parce que du coup, il faut que je les cale. Alors, bougez pas. Voilà. Toc. Là, je vais les poser comme ceci. Là, qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce que je fais? Je retire la pellicule, là. Vous voyez? Alors, est-ce que je me suis bien pris dans le bon sens, les fleurs? Ben non, évidemment. Je les ai mis dans le mauvais sens, bien sûr. On recommence tout. Je vous explique. Que je les ai mis à l'envers, bien sûr. Je veux que...
Hop. Je veux que. Hop. Je veux qu'elle soit dans le sens. Vous voyez? Quand je retourne comme ça, parce que je vais retourner. Voilà. Hein, voilà. Donc j'ai retiré le collant, le double face, et je colle le double face sur mon tag. Juste le double face sur mon tag. Alors ça, vous pouvez le faire avec... hein? Voilà. Vous voyez, comme ça, il est fixé. Il est fixé. Il est fixé sur mon tag. Voilà, le sachet, ça fait trop beau. Hein? Vous avez compris. Hein? Si. Et puis voilà, c'est tout en fait. C'est tout, tout ça pour ça. Ouais, je sais. Je sais, je sais, je sais, je sais. Voilà, hein. Je fais ça, c'est à fait mon droit. Et donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Moi, en plus, j'adore, ça fait un super beau rendu. Vous voyez, hein? Et puis moi, je vais... parce que je pourrais le laisser comme ça, et puis hop, vous voyez, hein? Je peux le laisser comme ça, hein? Mais moi, j'intègre de la couture dans tout mon album là. Donc là, je vais faire une couture, bien sûr. Et puis voilà. Mais on n'est pas obligé. Hein. On pourrait très bien laisser le sachet comme ça. Pourquoi pas, hein. Pour glisser des choses en dessous, y mettre des écritures, faire rajouter encore des choses, des insectes, des papillons. J'aurais pu mettre un papillon en dessous. J'aurais pu. Vous avez compris ici. Je pourrais mettre des petits stickers là. Qu'est-ce qu'on a là? Je pourrais mettre un petit insecte. Alors est-ce qu'on en a envoyé? J'ai rien. C'est ça. Non, non, je déconne. Je déconne. Qu'est-ce que j'ai là? On m'en a envoyé tellement de choses. C'est vrai. La fille, elle a trop. J'ai trop de choses même. Si c'est ça. La fille qui se plaint qu'elle a trop. Ah tiens, il y en a un petit papillon là, je le vois, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Je t'ai vu, viens ici. Hop, là, viens ici toi. Voilà, c'était le petit papillon qui était prévu pour aller là, vous voyez. Je peux très bien le mettre comme ça en dessous. Si, c'était tout mignon. Voilà. Vous voyez, je peux très bien mettre un petit papillon comme ça. D'ailleurs, je vais le laisser. Si je vais le laisser, je vais l'emprisonner. Si. Je vais faire ça, je vais être très cruelle ici. Voilà, c'était tout adorable. Vous voyez? J'ai mis le petit papillon en dessous. Et là, je vais faire ma petite couture tout autour. Hein? D'accord? Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je vais le faire. Ça. Pour se faire. Alors, hop là. Là, je vais faire ici de l'autre côté comme ceci. C'est trop joli, c'est joli. Donc vous voyez, alors sur le même principe, donc j'ai fait ma couture tout autour là, voilà, très, c'est, ouais, ça fait un peu junk et tout, moi j'aime beaucoup faire ça, hein. Donc le petit papillon, je l'ai emprisonné en dessous, j'ai fait ma couture tout autour, là toutes mes fleurs sont dans le sachet, collées avec le double face ici, je n'ai pas cousu ici, pourquoi? Parce que j'ai droit,
Si jamais décoller pour X raisons ou glisser encore quelque chose derrière, je pourrais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vais juste découper parce que vous voyez le plastique qui dépasse. Donc là, je vais faire épouser la forme du tag. C'est tout. Voilà, hop. Voilà. Voilà, c'est épousé. Voilà, c'est très beau. Moi, j'adore. Ben, si j'aime bien, j'ai le droit quand même. Donc, voilà. Donc là, c'est casé, c'est magnifique, magnifique. Ça fait un mariage sublime. Je pourrais même, oh, on pourrait mettre un petit seau là, hein, un petit seau. Elle n'est pas branchée, mais oh, c'est trop joli, le petit insecte là, vous voyez? J'ai une petite abeille là qui irait super bien là comme ça. Oh, je vais le mettre. Si, si, je vais le mettre. Oh, c'est trop beau. Je vais le mettre comme ça, ou comme ça. Tiens, je mets là. Si je le mets là, j'ai tout à fait le droit. Je vais mettre du double face, mais je pense que je finirai par le coller. Je vais mettre du double face, mais je ne sais pas si ça sera assez puissant, assez fort, quoi. Je sais pas. On verra. Je vais mettre un joli seau. Hop. Ouais, moi, je pense que ça va suffire largement. Ouais, si, c'est bon. Si, si, c'est bon. Donc, je vais mettre mon petit seau. Hop. Avec mon petit insecte, là. Magnifique, magnifique. Oh, c'est trop beau. Si, c'est trop joli. Et puis, là, je vais le perforer, bien sûr. Enfin, bien sûr. Je vais le perforer, c'est sûr. Je vais mettre un joli ruban. Hop. Hop. Donc, je vais perforer un petit trou, un gros trou, un gros trou. Si je veux faire un gros trou, parce que c'est un gros tag. J'ai envie que ce soit harmonieux. Voilà. Et puis, hop là, elle m'avait m'avait envoyé des jolis, des gros machins, des gros machins, des gros trucs. Elle m'en a envoyé, et je crois même que j'en ai même des verres. Je vais mettre un verre comme ça. Ou alors, ça y est, ça commence. Je sais pas quelle couleur choisir. J'ai rien, c'est ça. Non, j'en ai des jolis verres, là, je vais mettre le vert, là. Voilà. J'aurais pu mettre peut-être un peu rouge. Ouais, non, mais c'est bien comme ça. Si, si, c'est bien. Voilà. Hop. Donc là, c'est bon, j'avais mis mon. Hop là. Super. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Ben si, c'était tout joli. C'était tout joli, joli. Ben si, tout mignon. Et puis, je vais donc, pour finir, mettre un joli ruban. Et puis, ça suffira pour aujourd'hui. C'est ça. Ça suffira pour aujourd'hui. En ce qui concerne l'herbier, hein, ça ira. Merci, ça ira. Quand la mousse en l'air, que tu as fini. Je suis avec mon truc de chute là. J'ai un sac de chute. Comment vous dire? C'est le gros bin ça, non? Un bout de verre là, c'est un bout de verre. Ouais, bah ça ira bien. Mais si, c'est joli, ça pète au moins. Bon, il est un peu petit celui-là. C'est vraiment une chute junk. Voilà quoi. On dirait une pauvre malheureuse qui a rien. Vous savez ce que je vais. Non, ça c'est pour ma couverture. Non, je le garde. Non, je le garde, je crois. Alors pour ce faire. Bon, il va falloir que j'en sorte hein, quand même. Je suis vraiment une pauvre malheureuse. Si je n'ai rien. Hein. Bon, vous avez compris. Tiens, j'ai ça. Ah bah tiens, ça peut être sympa ça. C'est un bout de laine. Tiens, c'est rigolo ça. Mais si, c'est bien. C'est un bout de laine. Si, c'est un bout de laine. Ah, je trouve que ça va super bien. Tiens, je vais mettre ça. Si, c'est un signe. Regardez. C'est joli, hein? Si c'est joli, vous dites c'est joli. Si. Alors pour ce faire. Ah, c'est super, tiens. Vraiment, c'est très très joli. J'avais acheté ça sûrement chez. Comment que ça s'appelle?
les Emmaüs là. Moi j'achète tous mes bouts de laine chez Emmaüs. Bah si, hein, sinon ça vaut cher la laine. Et voilà, on a fait un magnifique tag avec un petit sachet plastique comme ça. Vous mettez vos feuilles dedans, vous avez vu. Si vous n'avez pas de couture, hein, bah, oh, y en a à vendre chez Jiffy là. Non, c'est Jiffy, non. Si, Jiffy, à 5 euros et quelques, là, des trucs manuels, là, je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai vu ça, ça vaut 6 euros, un truc comme ça, une petite machine à main. Ouais, pour faire des petites coutures comme ça suffit peut-être hein, pour le scrap. Voilà, chez Jiffy, c'est ça. Jiffy des idées de génie, c'est ça. Donc voilà, hein, voilà. Et puis, bah, c'est tout, hein. Bon, on a bien travaillé, moi je trouve, hein. Moi je trouve qu'on a bien travaillé. Mais si, alors donc je vais le caser avec mes transparents, là. Si, on va faire ça, ça va être trop joli. Regardez, ça va être bien ça sur ma couverture. J'ai décidé donc sur ma couverture, j'allais mettre ça. Regardez, ça va bien avec. Hein. Voilà, ça va être trop bien avec. Et puis je vais mettre ça sur ma couverture. Et regardez, si je ferai un petit charme avec ça. Je sais plus, ça allait avec je sais plus quoi. Ah, mon téléphone, ça c'est pour le boulot. Si, c'est le boulot, l'appel du boulot. Alors, comment vous dire donc je vais, hop, et puis là, je vais le mettre là. Regardez, c'est joli, hein, toute ma poche transparente là. Hein. Moi de mettre là, je sais pas encore comment. Je vais juste faire une. Juste faire un. Ouais, vous avez compris? Non, ça m'étonne pas. Oh, c'est beau ça aussi. Je pourrais faire avec ça. Ça, c'est trop grand. Ça, c'est. Vous voyez? C'est trop grand. Donc, ah, ben non, mais je vais le mettre dans ce sens-là, sinon. Et puis, je le mettrai. Ah non, non, il faut un truc comme ça. Donc, je mettrai autre chose. Bah, si. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir et la prochaine fois, ça suffit pour aujourd'hui. Hein, faut aller autre... Allez, hop. Donc, voilà. C'est joli hein, tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Bah, si, c'était la page transparente. Très contente, si c'est très joli, voilà. On a très très bien travaillé, c'est magnifique. Et puis évidemment, on continuera à décorer. Vous avez compris, si voilà. C'était un moment détente avec notre herbier. Il va exploser le truc, il va m'arrimer une tuile. Ah. Non, c'est la triple page. Là, je sens qu'elle va être modifiée. Non, pas tard, sinon pas tard. J'adore. C'est trop beau. Ça va faire un junk. Ça va faire un style un peu junk et tout. J'adore. Parce que je mettrai des dentelles. Là, je vais faire une tranche avec de la. Ça va être superbe. Avec de la toile de jute, je pense. Je vais faire de la toile de jute et tout pour que ça fasse nature et tout avec des feuilles, des machins. Ça va être super beau. Si. Je suis trop contente. Si. C'est tellement joli tout ce que vous m'avez envoyé que ça rend super bien. Toi aussi, il faut que je te trouve une petite. Si, si, il faut que je lui trouve aussi une petite. Hop, hop, hop! Je cherche, c'est toi quand même! Si, il y a plein de petites choses, hein, toutes mignonnes. Tiens, je suis sûre qu'elle va trouver ça. Parce que là, je voudrais lui mettre des ficelles et puis l'accrocher. Il y a des petites perforations là, toutes mignonnes. Alors j'aimerais bien lui trouver un. Je vais trouver. Aujourd'hui, vous avez remarqué. Oui, vous avez remarqué. Comment vous dire? Je suis en grande forme. Alors donc, pour ce faire, hein, on va s'arrêter là. Hein, c'était bien. Si. Voilà, voilà. Bon, alors. Ah mince, mais il était là, mon tag. Je vous savais bien que j'en avais un autre. Bon, toi, tu vas là, on va réfléchir. Et toi, tu viens ici, dis donc. Comment ça se fait que tu es disparu, toi? Disparu. Ah, maintenant, j'en ai déjà deux. Là, j'en ai déjà un. Ouais, je vais en refaire un, c'est pas grave. Hein, mais si. Je vais te mettre là. Hein. Hop là. Voilà. Très. Je savais bien qu'il m'en manquait un. Il y a tout qui disparaît sur ce bureau de toute façon. Voilà, c'était les tags transparents. C'est ça. Voilà. Il me reste encore beaucoup, beaucoup de choses à caser. Hein, parce que vous m'avez offert plein de choses. Alors. Bon, maintenant, je vais ranger mon bazar. Si, regardez. Oh là, ça va encore. Hein. Il y a eu largement pire. Oh, si. Il y a eu largement pire. Et bien sûr, je vous souhaite une très très belle journée. Hein. Demain samedi. Ah non, mais demain samedi, c'est sérieux. Hein, on va faire un tuto. Hein, quelque chose qui ressemble à quelque chose. Mais... Qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, hein? Si vous ne savez pas, on fera peut-être un petit album, ça vous dit? J'ai combien de temps demain? Un petit album en U, hein, ou un petit album en Z, ou un petit album en. On peut faire. Ou apprendre à faire des petites reliures japonaises,
Ou alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Hein, donnez-moi, enfin, pas des idées, genre, ce que vous avez envie de faire là, tout de suite, bientôt, hein, maintenant, si. Hein? Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao.